va-t-on célébrer cette nouvelle victoire? Je ne savais pas si vous alliez venir. Vous voir ici. Il y a un problème? Bien que vous voir me mette en joie, je crains d'avoir de tristes nouvelles. Nous avons perdu contact avec l'équipe que nous avons déployée pour explorer les ruines de la forteresse de Darknol sur Elom. Il pourrait s'agir d'un simple problème technique, mais... compte tenu de l'importance de leur mission et de l'importance du site pour Dark Malgus, nous devons mener l'enquête immédiatement. Je suis prêt à partir. Anan est sécurisé. On prend votre vaisseau, le mien. Ah, dans ce cas... Je serai votre chauffeur pour cette mission. Je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai essayé de persuader votre associé que vous étiez entre de bonnes mains avec moi, mais... Mais je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec notre précieux nouvel allié. J'ai pensé que ce serait l'occasion idéale pour faire connaissance. Comment refuser une demande aussi charmante? J'ai quelques derniers préparatifs à régler. On se retrouve au vaisseau? Il sait s'y prendre pour manipuler les autres. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. J'étais sûr qu'elle me dirait ça. Donc pour ça que vous êtes là. Vous pensez qu'il pourrait me poignarder dans le dos si vous n'êtes pas là pour l'en empêcher? Dans tous les cas, il n'y parviendrait pas. Je voulais simplement vous épargner cette diversion. Je m'occupe de lui pendant que vous vous occupez de la mission. On y va? Allons-y. Ah, oh, c'est une ZL en plus, génial. Génial, génial. C'est là toute la question. On ne sait que très peu de choses sur vous. Vous êtes un mystère, tout comme Darknol. Ça vous gêne? Pas du tout. J'adore ça. Vous devriez entendre les histoires qu'on raconte. Vraiment? Vous les trouveriez flatteuses, j'en suis sûr. Une fois, j'ai entendu dire que vous ne restiez aux côtés de votre impressionnant maître que pour dissimuler votre vraie puissance. Après tout, qui peut dire de quoi vous êtes vraiment capable? Depuis le temps que vous vivez dans son ombre... Je dois comprendre quelque chose, là. En effet. Étrange. Il y a une sorte de bouclier d'énergie autour du site des fouilles. Les relevés ne correspondent à aucun dispositif de l'Empire ou de la République. C'est ce qui empêche les communications de passer? Sûrement. On ne peut pas non plus le traverser par les airs. On va devoir se poser et s'approcher à pied. Étrange. Je vais informer Dark Krovos de la situation. Il me semble plus prudent d'avoir des renforts en attente. Des ruines, tout ce qu'il y a de plus banal. Le bouclier émane d'une source d'énergie qui se trouve près de l'entrée du temple. Je suggère de commencer par ça. Pour que les renforts puissent nous rejoindre plus facilement si besoin, toujours un coup d'avance. Vous êtes aussi rusé qu'on le raconte. Bon, il me casse les pieds là à faire le beau parleur. On y va ? Petit souci technique de régler. Ah.
ces créatures sont hostiles sans aucune raison. Attention! Quoi aller régler Lana comme partenaire. Rivix il est réglé en soin mais... Touche. Inspecter la zone, on n'y est pas encore la zone. Bonjour. Voilà. Petit souci avec la souris.
bah tiens, parfait. Déjà, réparation, et ensuite on va vendre tout ça. Quelqu'un qui nous observe, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est embêtant. J'ai une théorie. Étant donné le comportement anormal de la faune locale, il est possible que cette machine manipule leur... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est confirmé. Oh, j'ai eu peur pendant un instant. La grosse attaque, ça. Ça va, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Les trucs de soins là au bord de la rive, on en aura pas besoin. Soigne Lana, parce que moi j'en ai pas besoin de soins. Attends, Lana est à terre là? J'ai pas fait gaffe. Si Darknoll a créé ces machines, c'était sûrement une scientifique accomplie ou une experte en alchimicite. Peut-être les deux. Après des siècles, ces créations fonctionnent toujours, plus ou moins. C'est impressionnant. Le bouclier. Il ne correspond à aucun dispositif connu parce que Noll l'a construit il y a trop longtemps. L'équipe de fouilles l'a peut-être activé par accident. Ils sont peut-être toujours en vie. Ou ils l'ont activé parce qu'ils ont été attaqués. Aucune piste n'est à exclure pour le moment. Faire des suppositions, ça ne sert à rien. On peut rester ici à faire des suppositions ou on peut avancer pour connaître la vérité. C'est vrai. Après vous. C'est quoi que j'ai... Ah, bon, fragment de technologie, j'ai le maximum, donc on s'en fout. Et... Ah, et Lana, elle est là. Ah, je veux pas la... Ok. Ça va être incohérent avec le reste du jeu, mais pourquoi pas.
passage, il est où? Encore marché. Mais aucun signe de soldats. S'ils ont atterri ici, c'est qu'ils sont arrivés avant l'activation du bouclier. On les trouvera sûrement près du temple. Oui, allons-y. Y a moyen d'aller fouiller la navette? Non, j'ai pas l'impression. Devoir me débrouiller sans tank du coup. T'es bien silencieux. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas aimer ce qu'on va trouver dans... Non, ça a pas l'air d'être par ici. Je sens que je vais pas aimer ce qu'on va trouver dans ce temple. Oh! Ah, je peux même pas les recycler. Comment je monte là-haut, moi? Ah, ça, j'ai pas l'air d'être par ici. Ou alors c'est moi qui suis aveugle. D'autres droïdes. Mais what? Ah mais y a un truc qui détecte, c'est ça? Non, même pas. Thank you.
Si je suis un tireur d'élite, vous pouvez pas rivaliser avec moi. Les recycler quoi. C'était bien ça. J'étais pas allé dans la bonne direction. Arrière, tas de boulons. Médical, ça sent le combat de boss. Bon, ça, je vais le garder parce que ça peut être utile. Hop. Oh putain, ça aurait été trop beau. Que j'ai ce qu'il faut pour. Ah là, par contre, c'est chiant. Bon, bah here we go again.
c'est un objet que je trouve dans les ruines ou que je trouve sur des mobs. Ah, c'est ok. Ok, c'est un truc que je trouve dans les... J'ai bien fait de faire le ménage ici. Ça m'a l'air utile. Il nous en faut un autre. Il n'a pas pu aller très loin. Tenace ce droïde. Je crois que voilà ce qu'on cherche. Mais il n'est pas à l'intérieur. Ça, il va être ici à tous les coups. Ouais. Recycler ça s'il te plaît.
qui va pouvoir ouvrir cette saleté de porte. J'ai cru que je pouvais pas interagir avec la porte. C'est ce qui émet le bouclier. Ah. Oh, il y a eu du combat ici. Ah, il y a autant de la République que l'Empire. Des Jedi morts, des soldats morts. Celui-là faisait partie de l'équipe de fouille. L'attaque a dû commencer ici. Les corps, ils n'ont pas tous été tués par des blasters ou des sabres laser. Un piège. Intrus détecté. Des droïdes. Alors, attaque! Aussi, il y a des moniteurs. Où est le prochain moniteur? Ça commence un peu à être galère là.
vitesse. Tentative de destruction. Oh. J'aime pas trop ça. Destruction inefficace. Tentative d'éradication. Go là. Dommage détecté. Ah mais. Ouais, bah pas super efficace. Service. Ah, pas dans un super état ce machin. Ça a marché. Le bouclier est désactivé. Nos communications devraient fonctionner. Je contacte Dark Krovos immédiatement. L'ennemi est déjà venu ici une fois. Il pourrait revenir avec des renforts. Nous devrions faire de même. Dark Knoll était de toute évidence un génie bien en avance sur son temps. Comment est-il possible que nous n'ayons aucune trace d'elle? Je commence à me demander si ce n'était pas voulu. Toute son existence a été effacée volontairement. Mais pourquoi? Peut-être que l'une de ses créations faisait d'elle une menace pour le Conseil Noir, ou même l'Empereur. Mais c'est difficile à imaginer. Quand bien même, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un ait le pouvoir d'effacer à ce point une personne de l'histoire. C'est pour ça que Malgus s'y intéresse. Si c'est vrai, je comprends pourquoi Malgus voudrait en savoir plus sur elle. La seule autre personne à rendre les Empereurs et les membres du Conseil Noir aussi nerveux, c'est vous. Krovos a confirmé que des renforts sont en chemin. On ne doit pas être loin des ruines. Dépêchons-nous. D'autres droïdes ! Ah, mais on peut jamais explorer tranquille, sérieux ?
n'augure rien de bon. Je sens quelque chose. Malgus, il est ici. Dépêchez-vous. Oh. Oh, ça par contre. Je dis oui, hop. Parce que ça me servira pour le vaisseau de guilde. Là, c'est le seul moyen d'avancer. Oui, j'ai quelques doutes, honnêtement, mais... tous les dégâts subis. Merde, j'aurais pas dû. Nos ennemis peuvent se cacher n'importe où. Je sens qu'il y a un défi où justement faut réussir à faire la ZL avec tous les... avec tous les buffs là quoi, enfin, plutôt c'est plutôt des poisons moi je dirais. Pour les pièces d'armure je verrais ça. Maintenant c'est des patrouilles. Du coup ça c'est possible. Tant pis. Je voulais faire ça stratégiquement. Ils doivent se demander ce qui est arrivé à leurs soldats, eux aussi. Ça, je vais mettre de côté. Hop. Thank you.
Ici, hors de ma vue. Espérons que les grappins fonctionnent. Bon oui, normalement ça fonctionne ces machins. Pof. Voilà. Ah, il y en a un qui a survécu. Bon, ils sont morts, mais du coup, je peux pas aller récupérer leur butin. Bon, dommage. Vaisseau de transport ennemi. Aïe. J'allais dire, je vais mourir. Toujours en phase 2. Ah, et du coup, j'ai Lana qui est de nouveau avec nous. Ça devrait un peu mieux se passer maintenant. Est-ce que je peux atteindre le butin d'ici? Non, il est trop bas, dommage. Un peu galère. Ah, dommage, pas assez loin. Thank you.
Ah, là, ils vont faire un joli plouf. Bon, il n'y en a qu'un seul qui a fait un plouf, dommage. Prudence. Possible en plein combat. Ah, mais il en reste un. Il est où? Ah merde, je peux même pas avancer jusque là quoi. Ah bah voilà, il est revenu. Aïe. Hop, trop de dommages. On verra ça une prochaine fois. Le temple. Et une escouade de commandement de la République. Attention, vous mettez les pieds. Ces droïdes sont dangereux. Ils ne vont pas nous arrêter. Non. Mais moi si. Lana, tu fais quoi là? Oh. Tiens, tiens. Vous. J'aurais dû m'en douter. Je ne suis pas ici pour vous. Écartez-vous. Ou mourrez. Votre seul espoir est de vous rendre. Bon, j'y crois pas trop, mais on va essayer. Vous ne pouvez pas l'emporter, Malgus. Lâchez votre arme. C'est fini. Je ne suis pas l'homme que vous avez déjà combattu. Ma destinée et celle de la galaxie m'appartiennent. Rien ne peut empêcher ce qui va arriver. Pas même vous. Mais sérieux, j'ai pas envie de le tuer. C'est un site que je respectais sincèrement, quoi. Thank you.
On est vraiment obligé de le tuer. Faut croire que oui. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Là. Il fait mal. Ma rage vous consumera. J'arrive plus à le suivre là. Votre destruction était inéluctable. Ah ! Enfoiré. Merci Rivix. Assez, finissons ça. Vous allez mourir. Ma rage vous consumera. Où il est ? Admirez le véritable pouvoir. Ah, je sais plus de quoi là. On a réussi. La traque est terminée. On l'a tué ? Pourquoi je sens qu'il va se passer un truc là ? Je sens pas, je le sens pas du tout. Ah bah tiens. Ah Sina, ça faisait longtemps.
Waouh. C'est violent ça comme prison. Est-ce que ça suffira à le retenir? Jusqu'à ce qu'il nous raconte tout ce qu'il sait. Va-t-il vraiment nous dire quelque chose? Pas tout de suite, j'imagine. Mais il finira par prendre conscience de la gravité de sa situation. Une ouais, j'ai quelques doutes, moi. Il reprendra bientôt le travail sur Elom. Malgus a mis une sacrée pagaille. Mais avec un peu de chance, nous saurons bientôt tout ce qu'il y a à savoir sur Darknol. Si ces inventions peuvent être militarisées, grâce au réapprovisionnement de nos réserves de colto, la République n'a plus que de très minces espoirs. Cette cellule est satisfaisante, Seigneur Eldred. Je ferai part de mon appréciation au reste du Conseil Noir. Dark Savik devrait se montrer prudent. Vous pourriez faire un formidable candidat à sa position. Maintenant que Malgus a été capturé, que compte faire la main de l'Empire? Bonne question. Et votre travail. Servir l'Empire, hein. Quels que soient les besoins de l'Empire, la main y pourvoira. Le Conseil sera rassuré de l'entendre. Vous pensez que c'est la fin? Non, je sais que c'est loin d'être terminé. J'ai révélé une vérité enfouie depuis longtemps. Une voie vers le pouvoir, dissimulée par les trônes, cachée par les conseils. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et occultée par une guerre sans véritable vainqueur. Ah, sur ce point, il a pas tort. J'ai eu une vision du futur, une galaxie en flammes. Ce que j'ai commencé ne disparaîtra pas avec moi. Ce n'est que le début. Il n'y avait vraiment aucun moyen de se battre à ses côtés. Parce que jusqu'à ce qu'on découvre son véritable projet, c'était un... Enfin, c'est toujours un site que je respecte sincèrement, donc ça me fait un peu mal de... Sérieux ? Et du coup, on est où là ? Prison de Malgus, ok, mais elle est, c'est où ça? Ah! C'est sur la flotte, ok. Et bah, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Et bah, ça, ce sera au prochain épisode. Bah, allez, ciao!